Alors, on bat une ligne, ok, d'accord. Pour une insertion rapide, pour éviter ça. Et on est sur maison. Bon, d'où avec les gars. Allez, on va exclure quoi là-bas? Sur les gars, ouais. On va exclure le jacal. Et on va ensuite ban une Naruni. Allez, on attend. Ah, on attend le castle. Ok. Allez, on est parti sur maison avec un buck Alpha doit localiser et le une conteneur Azami. radioactif. Allez, go! On est parti, messieurs. Alors, on prend déjà le gaming. Alors, qui est un BP quand même qui est assez compliqué à tenir. On attend peut-être un drone qui ne viendra Encore pas 10 secondes. par la terrasse main, mais plutôt. Au niveau Après du 5 basement, secondes. du garage et de la laundry. Part de Klega. Alpha doit localiser le conteneur radioactif. Voilà, un peu de mal avec le drone. Et on le perd quand même. Allez, on va s'insérer de la part de Klega qui connaît bien cette map. On va aller au top. On a déjà placé ces barrières qui bat en haut. Et on va s'insérer au niveau du top rouge. Voilà, chose qui est faite. Allez, on y va, on fait check au top. Et on reste sur BP de la part de Brandao tranquillement. Allez, on s'insère au niveau de la jambe rouge. On prend un maximum d'informations avec les cams internes. On a vu Klega s'insérer au niveau de la chambre auto et au niveau de la salle jouée. Allez, on a fait tout le tour du top. On a fait un peu d'anti-roaming. Et on s'annonce au niveau de l'escalier rouge. Et on est tranquille de la part de Brandao. On attend dans main. On fait des petits trous pour mettre un peu de pression. On pourrait shoot à gauche et à droite. Et on a le BP dans le viseur. Et on sait qu'on a affaire à une amie. On va passer par la kitchen, le couloir kitchen. On s'est annoncé. Alpha a trouvé le conteneur radioactif. On fait pas de verticalité hein, de la part de Klega. Ah si. Non, peut-être pas. On va faire une phase de droning. Et on va faire tout de suite. On est à 30 secondes. Il faut y aller. On va compter sur son shoot. Bonne décale de la carte de la part de Klega. Je crois que Brandao avait laissé ses Oui, kibas dans la main. c'est ça. C'est un beau bait de la part de Kliga. En tout cas, bon, on était à 30 secondes de la fin, on n'a pas fait de verticalité, on compte seulement sur son sur 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 ce, son shoot. On est parti avec une Valkyrie de la part de Klega et un Sledge de la Alpha part doit de trouver Brandao. l'emplacement du conteneur radioactif. Je pense qu'il joue à la manette. Le conteneur radioactif a été localisé par le drone d'Alpha. On prend un maximum Encore 10 d'informations secondes.
pour remettre ses Black Eyes. Plus que 5 secondes. Allez, on est au niveau de la cafétéria, on met une Black Ice tout de suite vers l'extérieur qui va s'annuler au bout de quelques secondes. On voit que ça va pas s'insérer garage mais plutôt au top. On va jouer peut-être la verticalité avec un sledge et on y va avec le Deagle. Et on est au niveau de la fenêtre top rouge. Je crois que Brando se doute de quelque chose. Il a sûrement entendu. Les gars. Il a vu passer le réflexe un peu tard. Attention au pré-shoot de Kléga. Et on s'observe à droite et on bouge. On sait qu'il va y avoir une greuille. On s'insère tout de suite de la part de Kléga. On n'en profite pas pour shooter hein, de la part de Brandao. Le C4 qui connectera. C'était vraiment un bad timing. Et on se retourne tranquillement dans musique. Et on reste statique de la part de Brandao. Et on revient sur BP tranquillement. On a fait perdre assez de temps. On est à une minute. Et on est toujours sur le balcon. Sur le balcon top rouge. Ça y est, on va s'insérer, mais on est déjà à 55 secondes et on prépare les lignes au niveau de la buanderie et du sport. De la part de Kléga, on ne fait pas de verticalité. Pour l'instant, de la part de Brandao, par contre, on s'est annoncé au niveau du drop. On sait qu'on est dans le main ou dans la kitchen. Et petite décale de la part de Kléga. La grue qui connecte pas. On passe au niveau de l'escalier. Attention à cet escalier qui va être long à passer. Il faut peut-être aller ailleurs et faire de la verticalité au niveau de la trappe qui n'a pas été faite. Eh oui, la cam, c'est pas bien fait. Il faut dropper tout de suite. Attention au bac. Attention au bac. On perd trop de temps au niveau de la décision. Et on est parti avec un termite. Alpha doit trouver l'emplacement du conteneur radioactif. J'ai un peu de retard pour ce cast. Oh bah y'a pas de problème. Donc Kléga, Brandao, 2-0 Kléga, ok. Oui. Et on est sur Master. 10 secondes avant. Ah, de Brandao, voilà, on va faire la fenêtre. 5 secondes avant insertion. Plutôt le mur Alpha haute route. Le conteneur radioactif. Conteneur radioactif localisé. Allez, par on prend l'information. Thermite pompe du côté de Kléga. Ça troll. Clairement. Allez, on sait que. On sait où c'est situé. Allez, on a perdu déjà un drone. Pour la formation et on va aller sur le balcon master et puis on va certainement ouvrir ce mur et on va s'insérer j'imagine tout de suite de la part de Kléga. Oui, ça va rusher tout de suite. Ah non, on va en rappel. Allez, on s'est annoncé, on le bait, voilà, et on va déclencher de l'autre côté. Bon, ça c'est commun. Y a rien de nouveau. Allez, on fait croire qu'on est de l'autre côté. C'est ça.
Allez, au niveau du couloir, on est dans la salle de bain, on prend un maximum d'informations. On sait qu'on a affaire à un bouclier qui va nous aider, hein, ce bouclier qui va nous aider à s'insérer sur le BP. Et on va ouvrir de côté et on va y aller tout de suite. Oh là là, la grosse tête de Brandao, bien joué, c'est très très bien joué, il s'est pas laissé avoir. La première balle qui... qui part du canon, ouais, qui ouais. Part. Eh oui. Et on peut vraiment pas dire que c'était de la chance, c'était calculé. Ah ouais, non, c'était bien. Placement du conteneur radioactif. Et on est reparti. On est du côté master aussi hein, pour Kléga. Pour Kléga. Alors un goyo, c'est très bien pour perdre un maximum de temps. Si c'est bien placé, on va le placer au niveau de. Encore 10 secondes. Voilà, on les met dans le bon sens. Allez, on les place au niveau de la master, au niveau des points stratégiques. Et on met tranquillement son drone dans la salle de jeu, sur une étagère. Ok. On laisse. On met un goyo, ouais, un goyo sur ça. Un mur par info, ok, d'accord. Alors oui ou non, c'est soit on a l'info et on pète les murs tout de suite et on attend que le goyo, que ça s'épuise. Au bout de 2 minutes, on a largement le temps. Mmh. Et on attend au niveau de l'escalier rouge une venue et on a l'info. Il a l'info. Ouais, exactement. Et il a aussi l'info de où c'est que ça se passe. Kléga qui revient en arrière. Et on l'a entendu, je pense, de la part de Kléga. Et très bien joué de la part de Brando. Qui remet une grosse tête sur la première balle ou comment? Ouais, c'est ça. Ah non, pas sur la première. Non, c'est... Mais c'est très très bien joué de Brandao qui a tout de suite compris ce qu'était en train de faire Kléga. Un bon game sense là de la part de Brandao. On voit qu'il s'améliore hein, de chaque 1v1, il devient un peu plus. Voilà, c'est juste qu'il manque de confiance et peut-être voilà, à force ça va revenir de faire des matchs surtout avec toi. Brandao qui renforce les murs. Et les gars qui a pris une hache, hein. On verra. Hop. À quel moment on va tuer. Et concernant ta devinette. Ça part en live. Ah, ça y est, j'avais donc raison, c'était la Brava qui avait hack les Capcans. C'est ça. Ah, je suis tellement content et fier de ma réponse. Voilà. Allez, on est parti sur le match Brandawak, les gars. Allez, on va s'insérer au niveau du... Alors, on fait vraiment une toute petite brèche de la part de Kléga et on va faire une ligne au niveau du garage destructible. Et on va se repositionner, on va avoir un drone, on a un peu de mal hein, à avoir ce drone-là. Et on prend un maximum d'informations de la part de Brandao. On voit que ça va quand même pusher au niveau du garage. Oh. Je m'excuse, la config de mon PC me rappelle. Je dois vous laisser un petit instant. Allez, on drone de la part de Kléga. On n'a pas ouvert hein, encore. On se laisse le temps d'avoir un maximum d'informations. Allez, on s'est repositionné derrière la bombe, près de Brandao. On fixe les...
Est-ce qu'on va pusher tout de suite de la part de Klega? Et on push tout de suite de la part de Klega. On profite de l'explosion. Allez, on est parti sur une Mira. Alpha doit localiser le conteneur radioactif. On est parti sur une Mira de la part de Klega. Et Brandao commence à droner pour avoir des informations. Allez, on va monter au top avec l'escalier blanc. On a eu l'info, c'est bon. Le drone d'Alpha, la confirmation a le conteneur de la Master. 5 secondes avant insertion. Et on perd du temps à part de Klega. On va directement placer Samira sur le balcon master. On a placé tranquillement son drone. Et on prend, voilà, on le place tranquillement petit pas par petit pas. Et Klega. Pas de renfort, juste une Mira au niveau du balcon. Ah non, une Mira quand même au niveau du Dressing Master. Et on fait la trappe, peut-être pour Rotate. Allez, on a la formation de la Mira placée dans le Dressing. Allez, on y va. Ah, d'accord. Bien de la part de Brandao. On fait la cam kitchen et tranquillement on s'annonce au niveau du pink, au niveau de la chambre pink, mais on n'est pas fou de la part de Brandao. On a l'information que c'était juste des baits et que on est sur master et on ping déjà le 1. On se place tranquillement. Et on drop, on a l'info tout de suite. Mauvais timing de la part de Brandao. Il y a toujours ces prises de décision un peu lentes. J'y vais pas, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Peut-être manque un peu d'agressivité. Simplement. Et on est sur un 4-2 pour Klega. Alpha, localisez le conteneur radioactif. Allez, on va repartir sur Brandao d'un point de vue défense. Petit trou au niveau du top blanc, au niveau du mur top blanc. Et Klega qui nous a pris en montagne. Déjà deux rounds qui se sont écoulés en espace de 2 minutes. Je suis navré, j'ai dû m'absenter. Je suis en train de perdre toute la config de mon PC. Ça va bien se passer, non? J'en suis sûr. Oui. C'est juste que ça me coûte un bras, quoi. Alors, on a placé déjà ces barrières c'est qui bat. Voilà, et on ferme la master, la porte master. Alors, pourquoi on lance tout de suite une flash? Est-ce que c'est une erreur? Non. Non, c'est pas une erreur, c'est pour faire croire à l'adversaire qu'on va arriver par là. Oui, mais l'adversaire, avec les gars, quand même, de l'expérience sur les 1v1. Et on a l'info, alors, on se fait entendre, on sait d'où ça vient, et on a... Et il a le casque à l'envers car il n'a pas le casque. Et on est déjà sur BP et on s'est inséré la barrière qui va. Alors il y a juste à gérer. Voilà, à le pousser. Il est rentré. Déjà une bonne chose de faite.
maintenant, on ne sait plus quoi faire, ça va être la danse de la Macarena. La Macarena. Allez. Et on voit le petit bonhomme de neige, fort sympathique. Le coup de cut qu'a failli passer dans le dos de Kléga. Voilà, faut être tranquille de la part du montagne. Ouh, Kléga qui s'est pris des balles. Non, non, c'est Brandao qui s'est pris des balles. Ah non, c'est... si, si. Non, 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 c'est Kléga qui s'est pris des balles. Ah oui. Attention. Oh. Ouh. Oh, c'est monstrueux. Oh, mais quelle lucidité de la part de Brandao là-dessus. Ah et ouais. Je me suis emmêlé les pinceaux, je pensais qu'à un moment donné que les gars c'était la Azami. Ouais, justement, c'est pour ça que je comprenais pas. Ouais, c'est pas de soucis. La fatigue du cast. Mais, c'est ça. Et on est parti avec les gars qui s'est fait. Et on est à 4-3. Mmh. Attention que les gars de pas trop troller. Et comme on dit, il s'est fait mettre. Profond sur ce coup-là, voilà, hein, sans mauvais jeu de mots. Qu'est-ce qu'il dit ? Solis interdit, bien sûr. Oui. Même si le patch a été Alpha fait, mais au début du tournoi, c'était interdit pour tout le monde. On garde cette configuration. Allez, le prochain tournoi, bien sûr, il y aura la possibilité de prendre les deux. Mm-hmm. Les gars qui. Ouais, on crée un bait. Hein. Ouais, c'est pas bête, hein. Vraiment c'est pas bête de la part de Kléga. Bon, j'y crois pas trop. Ouais, on sait jamais. Et là, est-ce qu'on va mettre une frost ? Ouais, on en met quand même une. Ouais, on en met une quand même au niveau du sas du garage. Et Kléga qui s'éloigne du BP exprès pour que le bait fonctionne. Non, mais à côté de la muscu. Et on va drone. On va drone. Est-ce qu'on va voir le frost maintenant ? C'est ça la question. Et on le voit pas. Et on le voit pas. Et on le voit pas. Et ah, un doute. Ah. C'est bon. Ah, on a l'info. C'est bon. Et pendant ce temps-là, Kléga s'est fait une ligne directe sur. S'est fait une ligne directe à partir de la salle de sport qui conduit à son insertion. Attention de pas tomber dans ce bait là. Voilà. On n'a pas pété le frost, on l'a pas pété. On a un peu de mal, ça connecte pas. Attention les travers. Allez, on perd un peu de temps, on est à 1,28. Faut peut-être faire un choix. Est-ce qu'on va. Peut-être que l'insertion au niveau du garage destructible est peut-être compliquée. Peut-être passer par le sas, droner par le sas. On a encore un drone. C'est ça. Il serait peut-être préférable de passer ailleurs parce que là, il est beaucoup trop attendu. Ouais. Et que les gars, il a vraiment des vers aux fesses. Il arrête pas. Ça, et ça finira par connecter. J'ai l'impression. Voilà. Oh là 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 là. Juste au moment où tu l'as dit, ça finira par connecter. Oh là. Mais Brandao vraiment qui avait gagné hein, son pour la reprise de la ligne et du coup il ne l'a plus lâché et évidemment que les gars hein, qui trollent un peu se fait avoir et on est sur un 4-4. Belle remontée de Brandao là-dessus. Brandao est plutôt quelqu'un qui va prendre son temps. Alors le défaut, c'est qu'il prend des fois trop son temps à réfléchir. Et là, ça lui a porté plutôt un bénéfice sur ça. Et Brandao, on est parti sur un Oryx. Et j'ai l'impression, et ça, ami, que Kléga a pris montagne. Ça risque d'être compliqué pour le montagne si l'Oryx est joué. Il reste 10 secondes. Alors, est-ce que avec le. Est-ce qu'il va le bait avec le Oryx, ça veut dire se décaler. Non, oui, est-ce qu'il va le bait avec le montagne, ça veut dire l'attaquer de face et se mettre sur le côté d'un seul coup. Ou est-ce que le Oryx va carrément lui rentrer dedans et avoir un avantage pour le tuer.
Je pense qu'il va lui rentrer dedans. Hein. Alors... En tout cas, c'est ce que je ferais personnellement. Je ne me poserais pas la question. J'irais dans le tas parce que ça m'énerverait tellement que l'adversaire en face joue en montagne. Un baggy. On a vu que je maîtrisais les montagnes. C'est chiant à faire, oui. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et on prend les informations au niveau des cams internes. Alpha a trouvé le conteneur radioactif. Et on a mis des barrières. Voilà, pour un montagne, ça va permettre de s'annoncer. Alors, ouais, est-ce que c'était nécessaire ou pas ? Pas tellement. Et on perd le drone, la part du montagne. On en remet un autre. Alors, on reste toujours à proximité. On va faire la trappe, c'est très bien, la part. La trappe au niveau de la cafette. Alors, on cherche. Allez, cherche le Rix. Allez, les gars, cherche le Rix. On n'a pas patte. Et on a l'info du pied. Et on a l'info aussi qui se trouve sous le lit. Alors. Et ça y est, on va open. On va open le dressing master. Le pré-shot qui a failli connecter. Et on prend l'info comme quoi on est derrière le. Derrière le lit et derrière la bombe, on a le ping 1 qui est là. Et on s'annonce, attention, de pas être trop. Oh, mais Brandao, mais. Oh. Oh là 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 là. Mais les gars, pourquoi tu fais ça? Il met des. Pourquoi tu fais ça? Est-ce que c'est du. Est-ce que c'est du troll ou est-ce que. Non, c'est non, trop je pense sûr que de là, lui. Je pense qu'il est beaucoup trop sûr de lui, que les gars. Et en fait, il a effectivement troll hein, les quelques premières manches du début. Mais là, il commence à s'énerver. Vraiment, il commence à s'énerver. On le voit dans le chat. Alpha, localisez le conteneur radioactif. Donc, à voir maintenant sa réaction. Et on prend. Ah oui, on le prend un pulse. Hein, ça, on, veut vraiment se... on veut vraiment se rassurer. On veut vraiment se rassurer au niveau de l'information. Et on place... Allez, faut pas faire trop de bruit avec le drone. Brandao, on l'a bien placé. Il y a rien à dire. On a l'information du pulse. Et ça y est. Et je sens que Klega va nous sortir hein, mon Orzi bug. je le sens. Il a vu le drone tout de suite là-bas. Est-ce que les pings sont corrects? 50-60, ah ouais. Égalité. Allez, on prend l'information de l'appartement d'Ao. On a pris une Zofia. Pour une insertion, ça va être possible. Alors, on est au top au niveau de la cafette. Et on prend l'information au niveau de verticalité, mais par le top. Et on cherche. Hein. Et on cherche. Attention à l'insertion rapide, les gars. On est quand même à proxy. La trappe est pas déjà faite. On est trop sûr de soi. S'il y a une insertion et une information qui stipule qu'il n'y a personne sur site, l'insertion va aller très rapidement. Attention, pas de se faire scan. Voilà, on a fait, s'il s'insère dans le garage tout de suite, il prend beaucoup, beaucoup de risques. Et c'est dommage que Brandao reste, qu'il soit pas trop sûr de lui à traiter l'information tout de suite. Attention, Brandao, ça va sortir. Et ouais. Grosse tête de Klega cette fois. Ah ouais, là ça fait mal. On peut pas dire que Klega a bien joué. Non. Je peux pas dire. C'est plutôt Brandao qui a pas eu l'opportunité d'y aller. C'est ça. Brandao aurait dû, dès le moment où il a vu qu'il était pas sur BP, rush sur BP. Je pense qu'il aurait eu un avantage certain sur Klega à ce moment-là. Oui. Oui, parce que la seule position qu'il y avait, c'était soit de passer par la trappe, chose qu'il a faite, ou soit par la porte buanderie. Bon, exact. C'est dommage. C'est mais dommage non. De la part de Brandao, mais bien joué de la part de Klega pour cette opportunité. Allez, on est parti avec Brandao, on est toujours dans le garage. Et est-ce que ça va se finir en overtime? Ça peut être intéressant. Klega qui a pris un glaze pour un site en bas, c'est un peu bizarre. Mais bon, alors, est-ce que ça va jouer la fumée et ensuite. Ça peut jouer la fumée et puis ensuite avoir une information avec. Et ça, vous le maîtrisez ce glaze hein, sur avion.
Ouais, j'en ai fait les frais. Enfin, il y en a plusieurs qu'on en fait les frais. Oui, c'est votre stratégie de tenir comme ça 2 minutes 40 et de rusher au bout de 20 secondes. Et ça marche. Ouais, ça passait, hein. Ceci dit, ça passait. Ça c'était passait très étonnant. Même face à des champions. Mmh. Comme quoi, vous surprenez de jour en jour. Allez, on va s'insérer au niveau du sas. Comme dirait criminel, c'est la mentalité Vikings. C'est exactement ça. Allez, on a l'info. Ouais, le ping 1 est juste là. Allez, on va s'insérer. Je vois, là, ça va être la fumée. Et ensuite, on prend le slide. Oulala, oui, mais oulala, ça, c'est tellement connu, Brandao. C'est tellement connu. On n'a pas l'info du Glaz. Et du coup, on se fait avoir. Clairement. C'est. Et dès le moment où il fout un coup dans cette porte, il est censé. Là, il était censé tirer, Brandao. Il était censé tirer. Oui, ou alors rester sur. Tout simplement, rester. Se repositionner simplement derrière la voiture bâchée. Sans pour autant chercher le kill. C'est ça. Vraiment dommage, là. Il y avait, à mon avis, mieux à faire. Ouais, je pense que tu es d'accord avec moi, mon cher Bagui. Exactement, Nano. Et Alpha, pour, pour cette dernière manche pour Kliga, on est parti sur un cap-camp. Ouais, dédicace à son papa. Qui lui a tout appris. On est d'accord. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il rejoue à la manette ou comment ça se passe ? Je pense qu'il rejoue à la manette. Encore 10 secondes. Le drone voilà, c'est bon, on a l'information du BP au niveau de la master et on part dans le hall et la cafette. On n'a pas mis de cap-camp, hein. j'ai pas vu. Hein. On met un voilà, au niveau de la kitchen. Là, on en met. Et on en met deux au niveau de la porte kitchen et on en met trois. On veut être sûr qu'il meurt. D'accord, ok. Allez, c'est bien positionné. On perd pas trop de temps de la part de Brandao. Est-ce qu'on va aller directement au top? On va voir. Allez, on positionne son trône au niveau du top main. J'espère pour lui qu'il ira directement au top parce qu'il risque de se faire avoir sinon hein, par ses cap-camps. Eh oui, on le voit, il monte à la fenêtre. Il prend l'autoroute. Mm-hmm. Il prend l'autoroute. Et on redescend. Et on redescend, on est à 39. Et c'est ce qui m'inquiète, il va passer par en bas. C'est vraiment ce qui m'inquiétait. Tu penses qu'il va aller en bas ? Non, c'est bon. La chambre rose, la chambre pink. Allez, on reprend l'information. Allez, on troll un petit peu de la part de Kléga. Est-ce qu'on va s'insérer au niveau de la master de l'autre côté pour Brandao? En tout cas, Kléga n'a pas d'informations sur où est Brandao. Mais qu'est-ce qu'il nous fait? Kléga, on est dans le coin défaut de la bibliothèque. Kléga qui s'excite comme une puce. Allez, on prend l'information au niveau de la master, on voit qu'il n'y a personne. Et on voit qu'il va de l'autre côté, il faut y aller tout de suite. Ah non, il faut y aller là, il faut courir mon cher ami. Attention à l'autoroute, au mur autoroute qui n'a pas été fait. Et attention, on joue le CK. Ouf, on a vu la tête. Attention, on va se faire bait. Attention au mur autoroute. Il faut le tenir. Oh là 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 là. Et on sort de la zone. Et on re-rentre, on est mort. Dommage. Ah, il faut avoir un trigger contrôle à un moment donné. C'est ça, un grand GG à ces deux bonhommes. Un grand GG Whiteplay. Eh ben, c'était plutôt un beau match des deux côtés. C'est vrai, il y a eu des belles têtes en tout cas, ça on peut pas le nier. Brandao a mis des sacrées têtes. Kléga, tu es un troller. comme ton père. Allez, à bientôt.